Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la nouvelle série des Queen of 2.0 et on commence avec la Queen of the Tiger. Donc voilà, je sais que la série, vous me l'avez beaucoup dit, la série des Queen of the World vous manquait beaucoup. Mais par question de principe, je ne pouvais plus la faire. Donc, en live, vous m'avez donné l'idée de faire la Queen of the quelque chose avec des thèmes que vous me donnez et on fera un tirage au sort. Je pense que je vais faire le tirage au sort à la fin de cette vidéo pour savoir quel thème ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Et n'hésitez pas à m'en donner d'autres. Donc là, on va commencer avec le Tiger puisque c'est ce que vous m'avez le plus demandé vu que le 1er février, c'était le nouvel an chinois et qu'on est dans l'année du tigre. Voilà, ceci explique cela, pourquoi le Tiger et j'en ai quelques-uns d'autres en réserve, mais n'hésitez pas à m'en donner des nouveaux. Voilà, donc je vais me rapprocher un tout petit peu. Je vais d'abord enfiler mes petites oreilles et on attaque. Alors, je parle du nez, hein, je suis en mode coin-coin, j'ai les oreilles totalement bouchées et j'ai le nez qui fait robinet. Donc, j'aurai plus de fond de teint, hein, ça commence déjà à partir. J'ai le nez tout rouge, j'ai super mal aussi. Et j'ai les oreilles bouchées, donc c'est très, 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 très énervant. Alors, on va commencer par cet œil-ci, parce que j'ai envie. Je vais déjà mettre mon crayon noir en muqueuse. Supérieur, je sais pas si je vais le mettre en inférieur, donc on va juste mettre en supérieur. Je tremble, ça va être compliqué. Alors, je vais commencer avec la palette Nikita de chez Morphe et le noir ici que je vais appliquer au pinceau biseauté que j'ai pas préparé. C'est le seul pinceau que j'ai oublié de préparer parce que je vais faire un genre de Foxy Eyes. Je pense. Donc, je commence à mettre ça sur mon ras de cils. Je le mets tout le long de mon ras de cils. Donc, c'est pas grave si c'est pas très précis. Hein. On va venir l'estomper. Et mon espèce de gros liner. Et voilà. Je prends un petit pinceau souple et je vais prendre la teinte. Je vais prendre le marron chaud ici. Donc ils ont des noms, mais je ne sais pas les lire. J'ai pas de lunettes. Et je fume mon trait noir. J'ai même pas mis de base, j'ai rien mis sur ma paupière. Fait à l'arracher celui-ci. Alors je suis malade, mais j'avais trop envie de la filmer. Que j'ai l'idée en tête depuis que vous me l'avez proposé, donc restez tranquille la film, parce que quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Et j'en profite également pour faire mon ras de cils. Voilà, je vais estomper tout fouet. Je voulais faire le creux avec des dessins de tigre, mais je pense que je vais le laisser comme ça, sinon ça fera peut-être un peu trop. Je vais prendre celui-ci pour mettre en coin interne. Je crois que je n'ai jamais mis en coin interne. On va voir ce qu'il donne. C'est peut-être un peu foncé, donc je vais rajouter un petit peu du doré. Donc pour l'instant, cet œil-là, je vais le laisser comme ça. Je vais juste prendre mon pinceau boule et le beige plus clair ici pour poudrer. Là où j'ai pas de fard. Parce que ça va unifier un petit peu la paupière quand même. Pour finir le dégradé. Alors, de l'autre côté, je ferme la palette. Je vais préparer ma forme avec un crayon. Donc je prends le orange. Des Révolution Obsession. Alors, bon, l'idée est là, maintenant, est-ce que je vais savoir le reproduire? Je ne sais pas. Donc, j'y vais à l'arrache, je fais une forme. Alors, je ressors la Creator de chez Révolution.
Hein, je l'ai acheté de base exprès pour ce genre de make-up. Et je vais prendre le orange un peu rouille ici. Il me semble que c'est Express Soleil la dernière fois que j'avais appliqué l'autant que ça avait été. Mais là, je ne prélève pas du tout. Non, pas assez vif. On va essayer que celui d'en dessous. Ça prélève vraiment pas assez. Donc, on va y aller autrement. Je prends mon petit racloir. Je prélève un petit peu de matière. À force de tester dans tous les sens, on finira par y arriver. Hein. Alors, je prends une petite éponge blender, mais bon, comme je ne l'ai pas humidifiée, ça va être tendu. Et là, je vais l'étirer. Hein. Je l'étale. Je ne tapote pas. Hein. Faut que j'envoie un message à Indy pour voir comment ce qu'elle fait, elle, pour l'utiliser. Parce que je sais qu'elle l'aime bien, elle m'a dit la dernière fois qu'elle l'aimait bien. Mais je sais pas comment ce qu'elle l'utilise, comment ce qu'elle les applique, les produits. Je pense quand même que c'est une des meilleures façons de l'appliquer. Donc là, je vais en rajouter un peu partout pour le rendre un peu plus flash et un peu plus homogène. Si jamais vous l'avez et que vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire comment vous faites. Hein. Là, je suis plutôt satisfaite pour l'instant. J'avais peur de ne pas l'aimer cette palette et finalement, c'est 2-3 fois que je la réutilise et que j'aime bien. Donc, je suis contente. Est-ce que j'ai eu la bonne idée de laver mes cheveux hier? Bien sûr. Voilà. Alors, du coup, je garde le pinceau là. Je reprends. Non, je vais prendre la Lion. Des palettes Chiglam et je vais prendre le orange ici pour appliquer par dessus pour sceller le produit. Alors je prends un pinceau fluffy, je blende un coup pour enlever l'excédent. Et je vais prendre le un peu plus foncé ici pour faire comme des petites taches un peu plus foncées pour pas que le pelage du tigre soit uniforme, hein, c'est pas le cas. Et de l'autre côté du pinceau, du coup, je vais prendre le jaune moutarde. Pour faire des taches un peu plus claires. Si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas du tout. Je vais reprendre celui-là. Je reprends celui-là et je redonne un coup partout pour blender un peu. Mes taches sont jolies. Alors, je reprends la Nikita. Je refais pareil que sur l'autre œil. J'aurais pu faire ça après, en fait, faire les deux en même temps, ça aurait été un peu plus intelligent. Mais il faut pas me demander de réfléchir. Alors, je vais prendre le liner NYX pour faire les rayures du tigre dans le orange. Donc, c'est des lignes pas très droites qui se croisent pas. Voilà, et je vais encercler également ma forme. Pareil, pas de manière très nette. Alors, thread liner, donc je garde le NYX, tant que je l'ai en main. Et bascule. C'est super pratique pour les bascules. Il est génial ce liner. Voilà. Donc, muqueuse noire. Je vais achever mon teint, puisque je ne l'ai pas fait. Donc, je prends le blush Natasha Denona. Avec un pinceau assez souple pour pas en mettre de trop. Ici, je vais en mettre juste un peu. Et highlighter, je vais prendre le crown. Il est tout à fait dans le thème en plus. De
Nabla, je garde le même pinceau parce que je fais une grosse feignasse. Je vais en prendre avec un petit pinceau plat pour mon arcade sourcilière. Donc là, je vais juste repasser un coup de lumière dessus. Bon, d'ailleurs, ici, je vais en mettre partout. J'ai mis le fard beige juste avant. Alors, je vais juste vous dire ce que je vais mettre et je viens vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais réutiliser le crayon orange, la Déobsession. Et par-dessus, je vais mettre le Lip Strobe de chez Huda Beauty en teinte Shameless. Il me semble que c'est ça. Et voilà, mascara fossile, fioriture. Et je viens vous montrer ce que ça donne. Voilà le look final pour la Queen of the Tiger. J'ai galéré avec la capuche. Elle tient absolument pas sur ma tête. Si je la mets comme ça, elle tient, mais on voit plus les strass. Et si je la mets plus en arrière, dès que je bouge, hop, elle tombe. Donc voilà. J'ai fait comme j'ai pu, mais bon, le principe est là. Hein. J'ai un top, enfin j'ai un gilet en Tiger. Et voilà. Donc je sais pas ce que vous pensez. Moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des mille et des cents. Par contre, j'ai eu la très 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 bonne idée de laver mes cheveux hier. J'ai une bonne pour recommencer ce soir. Voilà. Parce que la colle à fossile dans les cheveux, ça ne va pas pardonner. Hein. Plus le fard orange. Et voilà, le truc là, il ne tient absolument pas sur moi, mais je le trouve tellement beau. J'adore. Et les crayons sont tellement crémeux que même en tant que rouge à lèvres, ils sont géniaux. Bref. Donc, écoutez, on va tout de suite faire le tirage au sort pour le prochain. On peut y aller, vous êtes prêts? Hop. Reine de l'espace. Ouh, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Écoutez, j'ai rien de plus à vous dire, donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air et de vous abonner si c'est pas encore fait. De me donner des propositions en barre d'infos. On a quoi? Donc là, du coup, on a l'espace, on a Viking, hein, vous avez pu voir. C'est le premier qui m'a été donné. Enfin, on m'avait demandé un thème viking et du coup, je l'ai incrusté là-dedans. On a quoi? Musique, chat, Belgique, soleil, lune, étoile, strass, fleur, dragon, geisha, éclair, papillon, ange, enfer. Et voilà. Donc, si vous avez d'autres idées de thèmes de queen, vous me donnez ça en barre d'infos et je les inclurai pour le prochain tirage au sort. Donc le prochain, ça sera la Queen of the Espace. Oui, parce que Queen, ça fait mieux que Reine. Voilà, donc je mets les titres en anglais pour ces séries-là. Donc, bah écoutez, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Il me semble que c'est encore une vidéo par jour. Je ne suis plus très sûre, mais de toute façon, moi, vous aurez une vidéo très vite si ce n'est pas demain. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous.